Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à l'Alhambra Music Hall. Nous vous offrons ce soir, et ce soir uniquement, une représentation très spéciale de Corvus le Filou. Si certains effets peuvent se révéler assez perturbants, ne vous alarmez pas, cher public. Ne craignez rien. Ce n'est que du spectacle. La représentation de ce soir est dédiée au jeune homme qui l'a inspiré. Un ami très cher à mon cœur. C'est à lui qu'il faudra adresser vos réclamations. Jacob, mon cher, cette soirée est en ton honneur. Morality.
I don't think they want to flood. J'admire son courage. Oh, elle adore ce genre de soirée. C'est moi qui serai votre serveuse ce soir. T'es toujours là, toi? La dernière fois, t'as manqué de nous empoisonner. Scène 2, tenez-vous prêts! Laissez-moi sortir! Il faut que j'abaisse le grill! Tout de suite, Marie. Est-ce que je peux détester ce travail? C'est là-haut, sur scène, que je devrais être. Nous avons un volontaire! Vos applaudissements pour cet homme débordant de courage! Notre volontaire va mourir pour toi, Jacob. Ce valeureux gentleman, mesdames et messieurs, va se faire tirer dessus à bout portant sous vos yeux incrédules et ébahis. Notre talentueux tireur va disposer plusieurs cibles autour de sa tête. L'excitation est à son comble, n'est-ce pas? Où est-il? La traque te consume. Le credo oublié. La proie en vue. Le goût du sang dans la bouche. Nous, les Anglais, sommes des gens hardis. Mettons cette hardiesse à l'épreuve. Je ne vais pas rater ma cible. La saveur se renforce à la seconde. Une chasse où le besoin cède la place au désir. Quel frisson! N'ayez crainte, mes amis, cela fait partie du spectacle. Restez avec nous pendant que nous préparons le prochain numéro. Eh bien, oublierais-tu tes principes, mon ami?
prépare ça. Monsieur Ross dit qu'il va me faire monter sur scène. C'est qu'une question de jour. Si ce n'est pas Ross... Ça laisse un goût étrange dans la bouche, n'est-ce pas? Comme manger du porc quand on s'attend à du gibier. Cette fois, il nous faut un gentleman à la tête assez plat. Réguez, mesdames et messieurs, mais je vous assure que c'est la vérité. Je suis certain que cette fois, vous avez deviné de quoi il s'agit, mes amis. Notre courageux volontaire n'a même pas tremblé. À quelques pieds de sa cible, notre lanceur propulsa droitement ses couteaux sur la pomme et la coupe en deux. C'est qu'on aurait peur. Montre-toi! J'espère que vous avez apprécié cette soirée, mesdames et messieurs. Du moins autant que moi. Avant notre finale, j'aimerais rendre honneur à tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir pour célébrer la vie et la mort. Allez! Criez-les! C'est à toi de jouer, Jacob, mon cher! Brûlez! 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 Vous voyez? Soirée. Elle restera gravée dans l'histoire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quoi? Briser le cou d'un jeune corbeau entre mon pouce et mon index, tailler en pièces des gens que tu dis innocents, laisser au monde sa divine folie? Parce que j'obéis toujours à la même devise. Pourquoi pas? Quel cauchemar!
juste de brûler avec les torches. L'ordre a enfanté le désordre. La mer monte pour engloutir les pubs et éteindre les réverbères. Notre ville va périr. Tupeny a échoué. Lucy a échoué. Brunel Elliotson. Pearl. Tous ont disparu dans la nuit. Mon tour est venu. Les assassins ont ouvert nos maisons à la fureur. Les hommes sont devenus des monstres qui déferlent sur nous, prêts à mordre. Notre civilisation doit survivre à cet assaut. Nous ferons table rase du passé. Nous chasserons les ténèbres. Londres doit renaître de ses cendres. Le fragment d'Eden se trouve sous Buckingham Palace. On a tout ce qu'il nous faut. Commençons à préparer notre filtration. Attends. Mieux vaut une confirmation visuelle. Si on se lance, on doit être totalement sûr. On n'aura qu'une chance avant qu'Otsoberg ne nous tombe dessus. Pour une fois, je suis d'accord. Nous prendrons position près du palais, mais nous attendrons la synchronisation des données génétiques avant de foncer. Tout dépend de toi, initié. Tu es en retard. Starik va passer à l'action. Le fragment d'Eden est quelque part à Buckingham Palace. Qu'il le prenne. Je t'ai vu à l'œuvre dans toute la ville. Tu devrais peut-être te fier à mon jugement. J'ai tué les lieutenants de Starik. Et toi, tu as fait quoi? Oh, demandons à Henry, tu veux bien? Je n'ai fait que réparer tes erreurs. À trop se hâter, on arrive plus tard. Arrête de citer notre père. C'est de Platon. Et désolé si pour une fois il n'est pas question de destruction. Père avait raison, il n'a jamais approuvé tes méthodes. Ça suffit, il est mort. Assez. Je viens d'avoir des nouvelles de mes espions. Starik compte voler le fragment d'Eden ce soir, au bal du palais. Avant d'éliminer les chefs de l'église et de l'État. On y retourne au nom du bon vieux temps? Ce sera la dernière fois. D'accord. Alors comment on s'y prend ?
c'est une merveilleuse surprise de vous voir tous les deux. Quelles sont les nouvelles de la rue ? Madame Disraeli, nous avons découvert qu'il y avait à Buckingham Palace quelque chose capable de menacer... Ce que ma sœur essaie de dire, c'est que nous avons besoin d'assister au bal de ce soir. Oh, impossible! Même s'il restait des cartons d'invitation, ce qui n'est pas le cas, quelqu'un de votre rang social... Si cette baudruche de Gladstone est là ce soir, je veux bien leur donner mon carton. Parfait. Alors j'irai seul. Madame Disraeli, si vous aviez la bonté d'indiquer à mon cher frère où se trouve le domicile des Gladstone, peut-être pourrait-il déployer ses talents et s'emparer de leurs invitations. Oh, splendide! Avez-vous entendu, Dizzy? Nous allons faucher les invitations des Gladstone. Merci de m'avoir porté volontaire, ma chère sœur. Mais c'est un plaisir, mon très cher frère. Oh, Madame Disraeli, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller voir le Maharaja. Il a peut-être à sa disposition un autre jeu de plans de la crypte. Evie, un de ces toupets. Elle me traite comme un enfant.